et il est vrai nous parle dans la joie, eh bien nous a pas sauvé, eh bien mais nous sauvé, eh bien c'est ça le plus essentiel. Mais eh bien pour compléter joie, ah, certainement pour compléter joie, eh bien c'est couronne qui va compléter joie. Ah, je serai couronné. Non seulement je serai au ciel avec Christ, non seulement je vais monter au ciel avec Christ, mais je serai couronné après la bataille. Puisque chaque type de combat que vous menez sous terre, li attribué à yon couronne, eh bien, pour même à soi. Je vais vous présenter les 5 couronnes en ce soir. Je vais lire d'abord et Apocalypse chapitre 4, le verset, et Apocalypse 4, verset 10. Nous allons lire Apocalypse chapitre 4, le verset 10. Et après, je vais au fur et à mesure vous donner et des références et tout au long de l'enseignement. Prenons la parole. À soi, faut qu'on ait bibou, à soi, faut qu'on ait crayon, ou bien faut qu'on ait un bicou, faut qu'on ait un calepin, faut qu'on ait un cahier, ou ça m'a vu. Ah, ben, ça c'est important. Et un mot de passe là, mon dipoko, déclarer, nous, je serai couronné après la bataille. Je serai couronné au nom de Jésus. Je serai couronné au nom de Jésus. Est-ce que combien monde qui déclaré ça déjà? Combien monde qui d'accord ça? Combien monde qui écrit ça déjà? Je serai couronné, c'est le mot de passe. Alléluia, au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 4, nous allons lire le verset 10 comme un verset de base en ce qui concerne les couronnes. Apocalypse, chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle et des siècles et jettent leur couronne devant leur trône et jettent leur couronne devant leur trône en disant, et si je veux lire le verset 11, tu es digne Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance car tu as été toutes choses et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle, eh bien, ont été créées, parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est important de rentrer dans cet enseignement et cette prédication en ce soir sur les couronnes qui nous ont réservées. Et couronnes, c'est quoi? Ça, c'est très important pour permettre que, eh bien, nous rentrer dans la dimension, ça. C'est quoi une couronne? Souvent, on parle de couronne, mais c'est quoi une couronne? C'est quoi une couronne? Et puis, une couronne, c'est tout simplement, eh bien, une récompense. Un insigne que Dieu lui-même, il réserve pour ses enfants qui seront sauvés. Et c'est, j'ai bien précisé, pour ses enfants qui seront sauvés. Et une couronne, eh bien, certainement, c'est une insigne royale. Puisque, eh bien, Dieu, il est le roi des rois et nous sommes, eh bien, des princes de ce royaume. Eh bien, il y a des couronnes qui sont réservées aux princes et aux princesses. Couronne vient d'un mot grec qui c'est Stéphanos
qui signifie une insigne royale. Un prix gagné lors d'un jet, un symbole d'honneur. Voilà. Et couronne vient du grec Stéphanos. Stéphanos, c'est S-T-E-F-N-P-A-N-O-S. Et Stéphanos, qui signifie, eh bien, une insigne. Une insigne royale ou bien un symbole d'honneur. C'est ça, eh bien, la signification de couronne. Couronne, eh bien, c'est tout simplement, eh bien, yon, eh bien, insigne, yon, un symbole d'honneur pour montrer que genyon moun, eh bien, qui travaille et Dieu, et le travail Dieu, eh bien, yo a récompensé et les a récompensé, yo a déposé yon couronne pour permettre que, eh bien, tout le monde réalise que le travail que le te fait, c'était un travail qui était bien. Et c'est ça, nous pralouer comment bon Dieu lui-même li pral récompenser nous par couronne ça yo. Il y a cinq couronnes. Il y a cinq couronnes que bon Dieu lui-même les réservé pour nous et certainement et dans 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 24 à 25 eh bien l'apôtre Paul eh bien il pral comparer chrétiens yo à des athlètes à des coureurs. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la vie de l'évangile, c'est un combat. La vie de l'évangile, c'est une lutte. Et l'apôtre Paul, eh bien, pour montrer ça noir sur blanc, il pral fait comparaison ça. Eh bien, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 et 25. Regardons 1 Corinthiens 9, verset 24 et 25. À côté l'apôtre Paul lui-même les pral fait comparaison ça et à l'elfin fait comparaison ça nous pral ouais importance yon et bien couronne nous pral ouais qui type et bien de couronne que bon Dieu lui-même les ka réservé pour nous en tant que athlète spirituel en tant que coureur qui a couru. Est-ce qu'on d'accord son coureur à soi? Ah, dis-moi son coureur au nom de Jésus. 1 Corinthiens 9 verset 24 à 25. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 et 25. On va lire ça pour nous faire comparaison hein, et pour nous mettre contexte un sujet dans le contexte. 1 Corinthiens chapitre 9 nous allons lire le verset 24 et 25 pour permettre que nous ait comparaison que apôtre Paul lui-même lui t'a fait entre coureur et athlète et chrétien et il dit ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais que seul remporte le prix. Ah. Courez de manière à le remporter. Ça, c'est très important. Courez de manière à le remporter. Remporter quoi? Remporter le prix. Remporter quoi? Remporter la couronne. Remporter quoi? Remporter, eh bien, le trophée. Puisque, eh bien, faut qu'on courir une façon pour remporter. Et c'est ça l'apôtre Paul a dit. Dans le verset 25, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent tous, hein, toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Ah, alléluia. Et là, l'apôtre Paul lui-même l'a parlé, eh bien, l'a fait comparaison, l'a comparé chrétien avec un athlète, un coureur. Il dit que, premièrement, faut que dans la course que nous y a,
faut que nous courions bien. Ah, Usain Bolt, nous connaît, c'est une icône, eh bien, en termes de dans le domaine athlétisme, Usain Bolt, eh bien, les Jamaïcains, ça, eh bien, mais il a parlé de course, mais il a parlé de athlétique, eh bien, il prend comme un symbole. Ça veut dire que son monde, eh bien, qui entraînait bien, et qui courait bien, et qui toujours remportait course, et certainement, nous connaît que, eh bien, qui record que le bat. Et nous connaît aussi quantité de trophées que le recevoir, parce que lui courait bien. Ça veut dire que là, le courrier, et c'est pas joule pour le courir, non, l'y entraîner. C'est pas joule pour le courir, non, l'y mettre le sous-cours. Ça veut dire que, eh bien, depuis à l'avance, l'y rentrer dans le moment d'entraînement. Et il semble traiter tête-lui dur. Ah, pour permettre que, eh bien, des fois, eh bien, l'y remporter, course que lui-même l'y pral, eh bien, et rentrer avec d'autres athlètes, eh bien, qui au niveau aussi. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, dans la vie de l'évangile que nous avons mené, eh bien, sont la vie de athlète lié, sont la vie de coureur qui est lié, faut que nous entraîner. Entraînement qui s'allie, entraînement, c'est rester dans la parole. Entraînement, c'est prendre du temps pour lire la Bible. C'est prendre temps, eh bien, pour permettre qu'on médite autour de la parole. Ça, c'est un entraînement que lié. Entraînement, nous-mêmes en tant que chrétiens, eh bien, c'est, eh bien, lire les et eh bien, c'est permettre que nous rentrions dans la prière. Chaque fois, nous rentrons dans la prière, nous entraîner. Chaque fois, nous appelons la Bible, nous méditer, nous entraîner. Nous attendons la parole de Dieu, Jean nous-mêmes nous faire. Nous attendons l'enseignement de la parole. C'est nos entraînements que nous y est parce que, eh bien, nous nous combat. Et combat ça, l'imande en pile effort. Et effort ça yo, c'est pas effort Chanel, mais c'est effort spirituel. C'est important pour permettre que nous connaît que, eh bien, couronne ça yo, que nous pral parler à, si nous pas entraîner, si nous pas traiter tête nous dur, eh bien, nous a raté couronne ça yo. Et c'est ça, l'apôtre Paul t'a dit, je traite mon corps très dur, eh bien, afin, eh bien, de remporter le prix. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, l'important pour nous connaître que Usain Bolt, lui recevoir des couronnes, lui recevoir des trophées. Mais trophées, ça y est, c'est des trophées corruptibles. Ah! C'est des trophées qui l'a pour un moment, qui l'a pour un titan. Mais nous-mêmes, couronne ça que réservé pour nous, hein? Eh bien, c'est premier couronne à présenter, eh bien, parmi les cinq couronnes, eh bien, c'est la couronne incorruptible. Le verset 27 nous dit ça. Je vais relire pour toi, pour vous en ce soir. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et des fois, ils font pile effort. Des fois, jus, nous-mêmes, nous boya, eh bien, courir, yo, yo, pas boire jus, ça, yo. Eh bien, yo manger, n'a manger, yo, pas manger, yo, fait régime. Ça veut dire, yo, traiter, corps, yo, très dur pour permettre que, eh bien, yo, en forme pour que cela. Eh bien, nous-mêmes aussi, eh bien, nous, gagnons abstinence pour nous faire. Qui abstinence nous besoin faire à soi, c'est abstinence contre le péché. Abstinence contre l'iniquité. Abstinence, eh bien, contre toute faiblesse de la chair. Abstinence contre toute sa bon Dieu pas d'accord. Abstinence contre l'orgueil. Abstinence contre la jalousie. Rancune, c'est abstinence ça yo, nous besoin faire pour permettre que, eh bien, dans le combat, dans le coup ça que nous y est, nous remporter la victoire. Et que nous pourrons recevoir une couronne qui c'est une couronne incorruptible. Le verset 25, je continue, il dit que pour obtenir une couronne corruptible, ça c'est pour athlète ici bayo comme Usain Bolt. Oui, il recevoir des trophées et les trophées ça yo là pour un titan.
yo là pour un petit moment, mais eh bien nous-mêmes, athlète spirituel, coureur spirituel, qui s'est pas le passé, eh bien, mais nous faisons le pour une couronne incorruptible. Alléluia. Ça veut dire que couronne pas nous, hein, li pa yon couronne corruptible. Incorruptible. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le pas corrompa, li pa corrompi. Ça veut dire que couronne ça, eh bien, li pa gagné, eh bien souillé sous lui-même. C'est une couronne incorruptible. Ça veut dire que eh bien son couronne qui pue que bon Dieu lui-même lui réservé pour nous, son premier type de couronne que bon Dieu lui-même lui réservé pour nous, c'est la couronne incorruptible. La couronne incorruptible, eh bien c'est couronne ça que bon Dieu lui-même lui réservé pour permettre que eh bien nous joignons récompense ça. Alléluia. Et c'est ça, nous pral comprendre et lorsque nous app encouragé pour vivre une vie d'intégrité. Et c'est ça. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que eh bien qui n'est pas corrompu, qui ne peut s'altérer, qui est d'une intégrité absolue. Ça veut dire que s'il y a une intégrité absolue, eh bien, avec intégrité absolue, ça, eh bien, on travaille pour permettre que on recevoir une couronne incorruptible. Cela invoque non seulement le fait de la matière, mais est une fait une couronne peut assez détériorer au fil du temps, mais aussi que rien ne dure ici-bas. Les rois, par exemple, les princes, rien pas duré, et yo là pour un petit temps, et yo là pour un petit moment, mais tout comme, eh bien, règne Christ éternellement, règne cette couronne incorruptible. Alléluia. Ça veut dire que, eh bien, certainement, il y a des rois qui ka tombé, roi lui-même jodi à là, mais demain, si Dieu veut pas là. Eh bien, Vindo, eh bien, gede un objet que vous achetez la caillou. Et mesdames, vous connaissez bien. Et des bibelots que vous achetez. Eh bien, bibelot ça, il est tellement belle. Eh bien, vous mettez dans la vitrine. Vous mettez en côté, même poussière pour pas prendre. Même à tout ça, à un certain temps, après une certaine année, ça a passé, l'a détérioré, parce que, eh bien, lui a rentré en défaillance. Mais, cette couronne-là, qui est la couronne incorruptible, eh bien, son couronne que, eh bien, rien pas qu'à endommager. Alléluia. Vitrine, côté, eh bien, lié à un couronne, un bibelot à couronne, ou bien trophée, il s'aime pas là, ou bien tout l'autre athlète, yo, eh bien, vite la cacasse, ou bien, gon tremblement de tête, un caille la cacrasé, eh bien, l'écrasé couronne, crasé trophée à crasé. Mais couronne, ça, qui se couronne incorruptible là, eh bien certainement li pa ka détruit. Eh bien et comme si nous t'a dit son couronne indestructible au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Regardons Apocalypse chapitre 5 verset 10. Nous allons comprendre ça mieux. Apocalypse chapitre 5 verset 10. On a regardé Apocalypse chapitre 5 verset 10 et son couronne eh bien qui pas qu'a détruit qui pas détruit. Apocalypse chapitre 5 verset 10, c'est important. Apocalypse 5 verset 10 dit: tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et êtres vivants, des vieillards. Le nombre était de myriades et des myriades, des milliers. Et voilà. Ça, l'important ici, c'est Jean
qui t'a montré que comment, eh bien, couronne ça, eh bien, yo un cas admiré, et couronne ça, son couronne que même les vieillards, eh bien, yo même, eh bien, yo poco, eh bien, qu'a découvrir, puisque couronne ça, c'est tout simplement au dernier jour, nous pral recevoir la couronne indestructible, la couronne incorruptible. Et quand on parle des incorruptibles, eh bien, c'est la couronne, eh bien, indestructible, yon couronne que un yen pa ka krasil. Eh bien, certainement, eh bien, li réservé pour moun qui marche dans intégrité. Ça veut dire que même gens ou intègre, eh bien, couronne ça, parce qu'on intègre, eh bien, bon Dieu lui-même, li pral et pose couronne ça, eh bien, sous tête. C'est premier couronne qui est réservé, eh bien, pour nous-mêmes qu'a sauvé. Est-ce qu'on d'accord ou a sauvé au nom de Jésus? Est-ce qu'on d'accord ou a sauvé pour aller recevoir couronne, premier couronne qui c'est couronne, eh bien, incorruptible et nous bon référence déjà. Et deuxième couronne, nous pral ouais, c'est la couronne de justice. Deuxième couronne, c'est la couronne de justice. La couronne de justice. Deuxième couronne, c'est la couronne de justice. La couronne de justice. Regardons dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 7, eh bien, à 8, nous allons voir la couronne de justice qui c'est deuxième, eh bien, couronne qui est réservée pour nous. Et c'est ça, l'apôtre Paul, il pral dit ça dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 et 8 là. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Ça veut dire que l'apôtre Paul, lui t'a montré que, eh bien, notre combat que le t'ayé sous terre, notre combat que le t'a mené, notre bataille que le t'a mené contre le péché, bataille que le t'a mené contre la chair, lui mené combat ça bien, et qui s'est pas le passé, bon couronne qui est réservée pour lui-même. Lui garder la foi. Ça veut dire que, ou même, qui d'accord, quel que soit Jean, ça y est, eh bien, pour être dans pied, bon Dieu, pour garder la foi, eh bien, gagnons couronne qui est les couronnes de justice là, eh bien, pour vous-même. Couronne de justice là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, eh bien, Dieu, il est un Dieu juste. Il est un Dieu, eh bien, et qui pas Jean manger courage, moun, eh bien, ou même qui était eh bien en toute intégrité ou qui gardait la foi, eh bien bon Dieu lui-même les pral eh bien mettez couronne de justice là eh bien sous tête. La justice est un attribut divin. Nous connaissons ça. Dieu est le seul juste et il nous a justifiés en Jésus-Christ par son Fils. Certainement, par le moyen de la croix, le sang de Jésus, il nous a justifiés. Et la justice des dieux, c'est pas la justice de l'homme, puisque la justice de l'homme, eh bien, sont la justice qui, eh bien, limitée, qui erronée. Des fois, mes frères et sœurs, moun pou yo bay Torah, c'est lui-même yo bay raison. Hein? Je dis à notre tribunal là, eh bien, mouna, eh bien, que qui se juge là, au lieu que li baye justice à moun pou baye justice là, eh bien, c'est innocent qui a payé pour coupable. Parce que l'homme en général, jodia, eh bien, yo tellement rentré dans yon perversion, eh bien, même moun qui étudie, même moun qui place, même moun qui sermenté, pour le bail justice là,
Eh bien, c'est lui-même qui a fait injustice à l'autre. Et combien de monde qui est en prison innocemment, je dis. Mes frères et sœurs, m'a profité pour me dire nous ça. Il y a des monde qui est en prison, c'est innocent, oui. Il y a monde qui dans prison qui a pigé des peines. Eh bien, c'est parce que yo pas gagné eh bien des moyens pour yo payer un grand avocat, oui. C'est parce que yo pas gagné filon eh bien dans système justice là, oui. Eh bien plus que yo pas gagné eh bien parraine marraine, eh bien il y a pigé des peines. Et que bon Dieu fait aux grâce à soya. Que bon Dieu mette au dehors à soya. Le Dieu de justice, que bon Dieu mette au dehors à soya. M'pa koné, ou même kap tande ma soya. M'pa koné, en dans famille ou qui injustice, que ou ap vive. M'pa koné, nan voisinage ou qui injustice, que ou ap vive. Même vindou à soya. Quel que soit injustice que yo ka faire, ou mette prend courage, tande ma soeur. Ou mette prend courage, tande mon frère. Mais ou qu'on n'ont pas en tort, mais ou qu'on n'ont pas coupable. Bon Dieu, lui-même la font chemin pour le mettre au dehors. Non seulement la font chemin pour le bon justice, mais gon couronne de justice qui est réservée pour vous-même. Alléluia. Si vous-même au combat, le bon combat, malgré souffrance, malgré persécution, eh bien, vous gardez la foi, eh bien, vous restez dans la vérité, eh bien, gon couronne de justice qui est réservée pour vous-même. Parce que bon Dieu lui-même lui fait nous promesse ça. Et c'est ça, il a dit dans Jacques chapitre 2, verset 21. Jacques 2, verset 21. Eh bien, là, eh bien, la foi permet que, eh bien, nous apprentrer dans la couronne ça et nous joindre la couronne de justice ça. Jacques chapitre 2, verset 21. Regardons. Jacques 2, verset 21. C'est important pour nous rentrer dans un verset ça. Et assoya mundou m'a pas courage rester dans la justice, rester dans la foi, parce que eh bien bon couronne de justice qui réservée pour assoya. Est-ce que d'accord couronne ça va recevoir la couronne de justice la deuxième nan nous. Nous dans deuxième nan Jacques chapitre chapitre 2 verset 21. Je vais lire rapide, nous avons économisé temps, n'a pas fait tout effort et pour permettre que nous terminer et dans l'heure qui a un record pour 10 heures. Aux environ 10 heures n'a terminé avec et 21 verset 21, la parler de Abraham, la parler de Abraham et qui ça le dit dans le verset 21, il dit Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Ça c'est important pour comprendre eh bien la justification et la couronne eh bien de justice que Dieu nous on parle. Et là c'est Abraham c'est le père de la foi. Nous connaît Abraham c'est le père de la foi, nous connaît ça. Et c'est ça que fait apôtre Paul, il va dire j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ça c'est important pour comprendre eh bien couronne de justice là. C'est ça attribue à la foi et Abraham, il est le père de la foi. Ça veut dire que, mais on parle un temps de parler de couronne de justice, eh bien, tout le monde qui gardait la foi, qui gagnait la foi, yo, eh bien, moun sa yo, yo ka espérer couronne de justice. Et c'est la foi qui te permet que, eh bien, Abraham, li pral offrir Isaac en sacrifice. Abraham, tellement gen la foi dans bon Dieu, li connaît, même s'il tue petit Lia, Isaac. Li d'accord, oui, pour tuer petit garçon là. Eh bien, que t'es gagnant, et pour, eh bien, lui plaît à bon Dieu, et voilà que, eh bien, c'est la foi qui va le faire ça, parce que Abraham connaît que Isaac t'a pral ressuscité. Tu vois, quelle foi agissant avec, là, c'est de Abraham,
avec ses œuvres et que par les œuvres, eh bien, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ça, c'est très important. Eh bien, la foi, eh bien, sans les œuvres, eh bien, Jacques a dit ça aussi, elle est morte. Ça veut dire que la foi, nous, faut que c'est une foi qui agit avec œuvres. Et là, nous avons la foi qui manifeste avec œuvres, eh bien, nous avons espéré couronne de justice que bon Dieu lui-même lui réservé pour nous. Et c'est très important. Et nous, dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit la justice est là pour rétribuer un acte ou réparer une faute au vu de tout ce que Paul avait subi et enduré, il espérait une juste rétribution de la part du juste juge. Alléluia! L'apôtre Paul, lui-même, malgré sa tape enduré, malgré persécution, malgré que yo te fait injustice, il gardait la foi dans mon Dieu. Mindo, pas quitter persécution, faut perdre la foi à soya. Mindo, pas quitter, eh bien, sa moun a fait que, eh bien, ou pas aider encore, ou pas faire œuvre encore, continuer faire œuvre, continuer vivre, eh bien, la vie, eh bien, de foi, ça, que bon Dieu lui-même lui a appelé pour vivre là. Et quelle que soit injustice que vous faites, pas dit, eh bien, vous faites trop, eh bien, moi-même, pas qu'à aider moun, pas qu'à supporter moun encore, non! Ou pas faire pour yo, mais on fait pour, eh bien, appel que vous gagnez, parce que, eh bien, gon appel que vous gagnez, il dit, faut qu'on manifeste des œuvres à travers la foi que vous gagnez. Et c'est ça, il t'a dit dans Hébreux chapitre 6, verset 10, en algadé, ça rapidement, Hébreux chapitre 6, verset 10, hein, Hébreux 6, 10, il a dit nous, ça. Et c'est apôtre Paul qui comme exemple nous avec Abraham. L'important pour nous comprendre ça, Hébreux chapitre 6 le verset 10. Nous allons lire ce dernier verset dans cette couronne de justice. Nous sommes dans la deuxième couronne. La couronne de justice le verset 10 de Hébreux chapitre 6. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au saint. Mais pour on non, mais pour qui ça bon Dieu pral bay pour on non, oui. N'ta remen li verset ça encore, verset ça fort. Dieu, il n'est pas un Dieu injuste. Il n'est pas un Dieu injuste. Le verset 10, il n'est pas un Dieu injuste, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Mabdou ça, eh bien, même si, eh bien, sauf fait pour moun, yo t'oublié, eh bien, demain si Dieu veut, eh bien, yo, eh bien, oublié ça t'es fait, même window, parce qu'on pas fait pour yo, c'est pour bon Dieu que t'es fait. Bon Dieu a récompensé avec une couronne de justice. Ça veut dire que, puisqu'on prend soin moun, puisque ou intéressé à sort moun, puisqu'on intéressé à avenir moun, à et bien-être moun, eh bien, bon Dieu, pour travail ça, que vous fait pour les saints, eh bien, li a récompensé avec une couronne qui couronne lié son couronne de justice. Ça veut dire que, couronne de justice là, dans qui sens, bon Dieu pral baoul, dans sens que, eh bien, puisque ou travaille, ou fait des œuvres, ou aide moun, eh bien,
yo pata eh bien récompensé ou peut-être même un remerciement yo baba ou peut-être moun ou te aidé yo eh bien jodi a yo ka persécuté ou moun ou t'a supporté yo jodi a parce que ou pa ka aidé yo on bon avant hier matin un bon sœur t'a expliqué me ça oui nous on t'a déposé là on t'a balion stop il t'a montré me ça. Et pendant que il t'a remercié et puis il t'a pas ouvert une parenthèse pour dire que eh bien gien mon nous fait on a né à pédel ou pas qu'à aider même yon une heure de temps l'oublier toute année que tu fait à pédel là pour une heure de temps ou pas qu'à aider là et pavlo parler non ça veut dire que mon l'homme est gras ça veut dire que l'homme est juste yo eh bien parent. Eh bien, le bien pour le bien, des fois c'est le mal pour le bien. Même une jour, moun sa ou ap marche avec là, moun sa pral bay couronnan, li se yon moun, eh bien, moun ki soue pour li, li change chemise pour. Li se yon Dieu de justice, et c'est pour ça qu'fèl pral récompenser avec couronne de justice. C'est pour le dire que récompense ou voilà Meli. Ça veut dire c'est pour le dire que travail ou te fait œuvre ou te fait à travers la foi que ou te gagné hein eh bien mais une couronne que m'a posé c'est la couronne de justice c'est important pas oublier ça Dieu n'est pas un Dieu injuste eh bien li a pas li pas oublié ça que ou te fait. Ah ouais, c'est un homme pour ma chavelle parce qu'il pas oublié. Même si tu as l'autre oublié, on dit bon Dieu pas oublié, m'a continué travail pour permettre que me recevoir couronne de justice, deuxième couronne ça. Nous pral rentrer eh bien non un troisième couronne. Après couronne de justice là, nous pral rentrer dans yon troisième couronne et pour permettre que nous acheminer et nous économiser. Tant troisième couronne, c'est la couronne de vie. C'est la couronne de vie. Troisième couronne, c'est la couronne de vie. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 12, eh bien, li pral dit ça. Les pral montrer nous couronne de vie. Couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on va recevoir couronne ça? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Au nom de Jésus. Seigneur, m'vle couronne de vie. Ça veut dire que mes frères et sœurs, le monde, eh bien, qui est d'accord, nan moment épreuve yo, nan moment tentation yo, yo kembe la, yo palage, gon couronne ki réservé pou yo. Couronne sa, comment le relè? Comment le relè? Alléluia! C'est une couronne de vie, sœur Esther. Est-ce que tu recevras cette couronne là? Ça veut dire que mes frères et sœurs, y a un moment dans la vie ou son moment de preuve qui est lié. Et gien en pile moun peut-être qui a pas suivre moi là et que y a traversé un moment de preuve, y a traversé un moment de persécution, y a traversé un moment de tentation. Eh bien m'vindou à soya mais ou kembe là dans moment épreuve là, li pas douce non épreuve yo, li pas douce non moment difficile yo, parce que mes frères et sœurs, ça des fois eh bien c'est dans la vie ou li gien même vindou à soya kembe la palagi vindou à soya quelle que soit tentation qui vini vindou quelle que soit épreuve qui vini dans la vie même s'il difficile même s'il pas douce même si alléluia li red vindou kembe la
parce que l'on fin traverser épreuve ça gon les mains ou apanlè gen on les gon souri kap soulève parce que alléluia 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 gen homme qui pral di ou vini gon couronne de vie qui réservé pour en couronne de vie c'est ça la couronne de vie. C'est moun qui traverse épreuve avec succès. Qui moun qui pas fait tété parce que épreuve yo eh bien yo difficile oui. C'est pas comme vinn dire que épreuve yo facile. C'est pas comme vinn dire que eh bien tentation yo facile à surmonter, même vinn dire avec force, avec courage, avec détermination. Avec eh bien méditation, avec la parole, avec la prière, que vous restez là, vous gardez la foi et vous traversez épreuve là avec succès. Et lorsqu'on traverse épreuve là avec succès, eh bien, gon récompense qui réservé pour vous, c'est une couronne de vie. Ça veut dire que couronne de vie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que eh bien et comme si ou t'es offri la vie ou pour bon Dieu ou pas de quitter eh bien épreuve là fait ou t'es bail vie ou plus valeur que vivre pour bon Dieu parce que m'a dit ça si ou bail vie ou plus valeur ou pas prêter en épreuve là non pas passer examen non parce que mes frères et sœurs des fois c'est examen bon Dieu a passé. Des fois, c'est non l'école que bon Dieu mettait. C'est non l'école de vie qu'elle est. Ou non examen de vie. Ça veut dire que non examen de vie, ça a. Ou quitter la vie ou de côté. Ou quitter, eh bien, dignité ou de côté. Oubliez dignité. A. Ou quitter, eh bien, toute étude ou t'es fait de côté. Ou quitter rang social ou de côté. Ou quitter eh bien tout eh bien ça que vous avez gagné comme vécu de côté eh bien ou dit que eh bien m'a vive eh bien moment ça pour bon Dieu m'a prêté dans épreuve là parce que me connais me pas prêté tout temps là-dedans m'a traversé épreuve là et ça le dit oui m'a traversé douleur à tout moment yo m'a traversé souffrance moi yo alléluia mindou ça gayon moment son moment de souffrance que lié son moment de preuve m'a traversé douleur à tout moment yo m'a traversé diminution yo déception yo quitté yo en Égypte Canaan bralé m'a traversé douleur à souffrance yo m'a traversé humiliation yo déception yo en Égypte Canaan bralé même si sable a chaud en bas pied ou dit c'est Canaan bralé la vie m'a pas plus important eh bien yon kay pas plus important. Yo travail papi important, l'argent papi important que Canaran sa captan mwen an, eh bien ou di que m'a prêté dans souffrance là et m'koué m'a traversé. Alléluia. Ça dit que mes frères et sœurs, premièrement ça me l'ai montré, eh bien l'orgue la foi ou dit que eh bien dans sa mie am pas prêté là dans le tout temps même sou m a pleuré jodi a même sou m gen de l'eau dans yeux jodi a même si m gon épreuve que m'a traversé jodi a m pa konn ap ki moun mon a parlé là li pas prêté tout temps comme ça bon Dieu a changé bagay là alléluia bagay là pa carré tout temps li pa carré comme ça faut que ça change alléluia ça veut dire que mes frères premièrement, nan récompense ou le ou rete dans la foi nan épreuve là, bon Dieu a pas agi sous terre. La pas agi dans situation. Ça veut dire que oublier tête ou eh bien ou songer que c'est bon Dieu qui a dirigé. Ah, c'est ça. Puisque oublier la vie ou eh bien bon Dieu dit ah non, faut moi agir pour lui-même.
Ça veut dire que faut que moi retirer la situation. Faut que moi traverser l'épreuve là. Faut que moi retirer et bien dans désert que lié a. M'a retirer dans désert que lié a et non seulement m'a retirer dans désert que lié et que lié a, mais m'a réserver une couronne pour lui, couronne ça relé une couronne de vie. Alléluia. Alléluia. Qui troisième couronne que bon Dieu a préservé pour vous à soya? Ou dit que moi après c'est voir troisième couronne ça qui c'est couronne de vie. Couronne de vie c'est pour moun qui rete dans souffrance dans la foi et que traverse avec foi avec et bien succès avec et bien toute dignité spirituelle et kounia li dit mon couronne qui réservé pour moi son couronne de vie. Parce que moi d'accord by vim, moi d'accord et quitter vim, moi d'accord ignorer vim, eh bien bon Dieu lui-même la bamion couronne de vie. Alléluia, alléluia. Est-ce que ou a pas recevoir couronne ça? M'a dit ça épreuve yo pas facile non, épreuve yo pas facile. Mais gen moun qui eh bien gen courage pour traverser épreuve. Mais doit soya, sou a traverser une épreuve, premièrement garder la foi, deuxièmement croire que bon Dieu l'a retiré au là-dedans et troisièmement espérer que ou a sorti là-dedans avec succès et quatrièmement connait que bon couronne de vie qui est réservée pour vous, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia au nom de Jésus. Au nom de Jésus forme gen couronne de vie ça. Couronne de vie sa femme gagne. Au génocide gagne. Sœur Nerland gagne. Au nom de Jésus. Que bon Dieu bénisse. Alléluia. Quel que soit servante qui a traversé en souffrance. Quel que soit servante qui a traversé un moment épreuve. Mindo prend courage, ma sœur. Mindo prend force, mon frère. Mindo reprend. Alléluia, la foi. Parce que, alléluia, l'éternel, les papes qui tournent en souffrance à tout temps. Au nom de Jésus. Bagayo gen pou yo change pa ka rete comme ça faut que ça change. Alléluia. Ça pa ka rete comme ça faut que ça change. Dis ça sous la voix. Alléluia, alléluia. Me senti le ciel li di me déclarer parole ça sous la voix. Ça pa ka rete comme ça faut que ça change. Et preuve ça glou dans yeux ça. Alléluia. Angoisse ça, tristesse ça dans cœur là. Alléluia, alléluia. Oh alléluia, ça yo mette sous chemin là. Ou yo taillé sous roue. C'est moment épreuve là, oui. Ou pas dit, yo dit ou dit. Ou pas fait, yo dit ou fait. Alléluia, min nous prend courage, min nous prend force. Bon Dieu parle à vous à soi. Li dit loin dans souffrance ko ye, li wè nan tribulation ye, li wè nan épreuve ko ye, li wè tentation ki vin sou chemin wa. Li di la descend, même yon te descend pou Israël, sa pa prete kon sa fòk sa chanje, et la chanje nan la vie wa. Au nom de Jésus, prend courage. Prend courage, non seulement, alléluia, pendant aptan couronne de vie, mais aussi le ciel, les papes qui t'ont mouru dans soi. Alléluia, alléluia. Mais d'où ça, le ciel, les papes qui t'ont mouru dans soi, ou a sorti là-dedans avec succès au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est deuxièmement, troisièmement, couronne de vie. Et quatrièmement, c'est la couronne de gloire. La couronne de gloire. Quatrièmement, n'a pas cheminé vers la fin. Quatrièmement, c'est la couronne de gloire. Et 1 Pierre chapitre 4, 1 et 5, le verset 4. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Prends Bibou et nous allons lire passage ça, la couronne de gloire. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Alléluia. La couronne incorruptible de gloire. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. 1 Pierre chapitre 5 verset 4. C'est la couronne de gloire. La gloire est la marque du céleste et l'atmosphère de la demeure où résident les sauvés. Alléluia. La gloire
eh bien, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est l'atmosphère de la demeure où résideront les sauvés. Quand je serai dans le ciel, eh bien, certainement, je serai dans la gloire. Ah, la gloire de Dieu ne sera pleinement, complètement, et que lorsque tous ses enfants regagneront sa demeure. Tout comme les enfants font la fierté de leurs parents, tous les élus, enfin, réunis en Christ, contribueront à faire éclater la gloire du Père. Alléluia! Cette gloire, il la partagera avec nous en nous accordant une couronne incorruptible de gloire. Signe que nous sommes gens de la maison de Dieu et que nous avons été distingués comme tels. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Alléluia! Ça veut dire que dans le dernier temps, puisque la présence de Dieu, eh bien, c'est la gloire. Et dans la présence de Dieu, eh bien, nous pral vivre, eh bien, gloire ça, li pral partager gloire ça avec nous. Et pour le partager gloire ça avec nous physiquement, puisque nous pral vivre dans la gloire, hein, dans l'atmosphère de gloire là. Puisque, eh bien, les nous ont sauvés, nous pral vivre en permanence dans la gloire. Et la gloire ça, eh bien, et Jésus, bon Dieu lui-même, lui pral permet que nous vivions là, et il pral content pour le recevoir. Il pral content pour le recevoir nous, parce que il pral dit, eh bien, bon et fidèle serviteur, eh bien, rentrez, venez recevoir, eh bien, ça que ou te travail pour lui sous terre. Et un bon Dieu pral content, li pral wè que gen moun, eh bien, qui te kembe la foi, gen moun qui te kembe dignité, gen moun qui te kembe la sanctification, gen moun qui te kembe la parole. Bon Dieu, ou pral fè fierté, bon Dieu. Et ça m'abdou là, l'on a vivre pour bon Dieu, eh bien, son fierté lié, pendant l'ancien là, quel content. Et là, on pral sauvé au dernier jour, eh bien, non seulement quel pral content, eh bien, li pral senti que le dan, eh bien, la gloire, la joie, eh bien, immense. Eh bien, qui ça pral passé? Li pral partager gloire ça avec yon trophée, avec yon couronne. Et, alléluia, li pral montrer que, eh bien, gloire que li même li gagne, c'est pas seulement pour li gloire ça y est, mais c'est pour vous même. Ah, tu recevras et une couronne incorruptible de gloire. Une couronne de gloire. Alléluia. Vous pouvez le recevoir au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêt pour le recevoir la gloire? Est-ce que vous êtes prêt pour le recevoir la couronne de gloire là? Et mindo asoya, oh, non seulement, eh bien, bon Dieu fait nos promesses, bon couronne de gloire qui est réservée pour nous dans le ciel là, et en signe de partage avec, eh bien, gloire que bon Dieu lui-même lui gagne. Même mindo asoya, pendant sous terre, eh bien, sous vive, selon la volonté de Dieu, eh bien, bon gloire qui va rentrer dans la vie. Alléluia. Et ça le dit, oui, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'éternel des armées. Alléluia. En passant, m'abdou ça au nom de Jésus, et la caille où koto ap recevoir la parole, moi déclarer que la gloire rentre. Alléluia. En attendant recevoir couronne de gloire, puisque Jésus poko retourner, puisque Jésus lui-même li poko sonner trompette là, même mindou gon gloire qui pour rentrer la caille. Alléluia. Parce que m'abdou ça, de fois yo humilié trop, des fois yo piétiné trop, des fois yo longé droite sous trop, des fois, eh bien, yo passonnant visible trop. Mindou, c'est pour bon Dieu visiter, c'est pour le roi de gloire visiter, parce que bon Dieu a fermé bouche pour le faire connaître que ou a marché avec un roi de gloire, ou a marché avec un Dieu de gloire. Eh bien, Dieu de gloire, ça l'a reflété la gloire dans la vie. Alléluia.
Alléluia. Parce que gen bagay ou pa genye dans la vie ou, gen bagay ou poko genye, gen bagay ou poko réussi fait. Mundou yo koni milio pour ça, mais mundou asoya le ciel a fait pour ou pour permettre que gloire manifester dans la vie ou. Alléluia. Et c'est ça m'tap dou dimanche. Eh bien, non seulement, eh bien, l'église sa yo qui te rete dans présence Seigneur, yo te joué une récompense sous terre. Eh bien, genye, eh bien, des promesses que bon Dieu te fait yo, gen bagay, gen délivrance, gen victoire que bon Dieu te bayo, eh bien, pour permettre que yo a joué yon avant-goût. Alléluia. Et mindou avant-goût, pour asoya, eh bien, pendant la rentre dans dimension ça, que la gloire de Dieu manifeste dans la vie. Alléluia. Si c'est mariage là, ou pas qu'à joindre, que la gloire du mariage les rentre au nom de Jésus. Si on travaille ou attend à soya au nom de Jésus, que la gloire qui manifeste travail là, qui baille travail là, que la gloire les rentre. Que le roi des gloires fasse son entrée dans ta vie en ce soir. Que le roi des gloires fasse son entrée dans ton foyer en ce soir. Si la paix pas qu'à régner dans le foyer, moi déclarer ça, que le roi de gloire fasse son entrée. Que la paix régne dans le foyer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le roi de gloire lui manifeste en puissance pour permettre, alléluia, là où tu es dans la tristesse, là où tu es dans l'eau dans le yeux, là où tu es senti ou pas capable, là où tu es senti ou à terre, là où tu es senti ou à traîner, là où tu es senti, alléluia, ou à descendre, que le roi de gloire monte avec ou à soir. Au nom de Jésus. Que le roi de gloire, lui font travail dans le mariage là. Lui font travail dans le foyer là. Lui font travail dans la vie. Ou alléluia. Que le roi de gloire, lui change au probio. Lui change déception yo. Parce que gloire, c'est alléluia. Un signe de royauté. Son signe, alléluia, de allégresse. Que le roi de gloire, lui fait entrer dans la vie ou dans le cœur. Dans l'esprit ou dans ou même dans projet ou yo, alléluia, parce que gen projet ou gagné, eh bien ou pas qu'à réaliser en tant que l'homme ou a goumé ou un projet a pas qu'à réaliser, lui représenter un défi pour vous au nom de Jésus. Alléluia. Que le roi des gloires rentre dans projet ou soya, que gloire, que bon Dieu lui-même lui promet nous qu'elle commence à manifester. Alléluia. En attendant, j'ai une couronne incorruptible de gloire là et me déclarer ça sous la vie. C'est pour la gloire, bon Dieu manifester. Alléluia. C'est pour ennemi, c'est pour adversaire, c'est pour monde qui dit pas tapan, c'est pour monde qui dit pas jamais, c'est pour ouais, bon gloire qui rentre. C'est pour ouais, bon soleil, alléluia, qui levé dans la vie. C'est pour ouais, au nom de Jésus, gon la pluie qui tombait dans tes ça que yo te dit qui c'est là au nom de Jésus. C'est pour bon Dieu les changer, alléluia, tant de neige là en yon temps de soleil. C'est pour la vie ensoleillée avec la gloire de Dieu à soi.